Et j'en profite pour saluer toute l'équipe de We Are Young. Allez, c'est parti pour une vraie visite de printemps. Voici la ruche des baies, très active. Il faut les filles, un petit coup de fumée pour prévenir. Hop. Alors. Okay, donc vous voyez, les abeilles sont très très occupées. Elles ont construit leur nourrisseur. Alors, waouh, beaucoup 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 d'abeilles. Regardez l'état des cadres, peut-être en remplacer un d'ailleurs parce que waouh, bon, et bien grosse grosse ponte, vous voyez tout du couvain fermé devant moi. Le couvain est très beau, c'est chouette, petite amusette que l'on va enlever. De ce côté-ci, pareil. Beaucoup de couvains, du couvain mâle aussi, là en haut. D'ailleurs, des mâles qui se baladent, il y en a déjà quelques-uns. Hein. Et là, rentre beaucoup de pollen. Là, c'est tout brillant sur le côté. Là, c'est tout du nectar. Je vois du pollen. Ah oui. Ici, vous voyez, elle rentre des réserves. En quantité, hein. Vraiment en quantité. Ici c'est tout brillant, beaucoup de nectar. Donc là, les abeilles travaillent vraiment beaucoup. Et ici encore beaucoup de pontes. Je vais vérifier qu'on n'est pas quand même de la cellule royale cachée. Non. Petite amusette ici, hop. Je la supprime. En douceur. Là encore une, deux. D'accord. Bon ben. Voilà, ça on va l'enlever. La deuxième, elle est ici. Je l'enlève aussi. Ok. Alors ici. De nouveau beaucoup de réserves, de la ponte. Là, vous voyez un cadre d'abeilles très très calme. Chacun travaille. Donc ici, de la ponte mâle. Beaucoup de ponte tout au milieu. C'est bien. Mais je vous dérange pas trop longtemps, vous inquiétez pas. Beaucoup d'abeilles. Oh là 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 là. Encore tout pondu. Encore des amusettes. Mais dites donc. Là, on est quasiment bon pour une hausse déjà. C'est fou. On est à peine au mois de mars. On est le 22 mars.
dans les faits. Et c'est tout pondu. Il y a du pollen même au milieu de la ponte. Pendant que les pilotes de l'armée font leur manœuvre. En cours de la ponte. Bon. Je vais pouvoir changer un cadre ici, c'est quand même assez complexe. Il faut occuper les abeilles là, c'est vraiment important. C'est une ébauche de cellule royale. Hop. Ok, là c'est bon. Et voilà la règle. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Elle n'est pas contente, elle s'enfuit, normal. Voilà la reine. Juste ici. Je mets un peu au soleil pour vous. J'espère que vous arrivez à la voir. Pas la louper, hein. Vous voyez comme elle est belle. Bon. La reine est là, c'est très bien. On fait attention avec la reine. Voilà. Et puis ici, le dernier cadre. Je vais pouvoir l'enlever celui-ci. Oui. C'est, de ce côté-ci, c'est déjà moins rempli. Donc attention les yeux. Donc un cadre à bâtir pour faire travailler les abeilles. Voilà. Et puis je vais replacer ce cadre ici. Voilà. Très bien. Donc le couvre-cadre nourrisseur, vous voyez, il est très bien, hein, donc on peut le reposer. Voilà. Ceci, je vais quand même l'enlever. Qu'elles ont construit. Mais c'est plutôt joli, belle construction. Et puis je vais reposer ceci. Ça, voilà. Les petits cabochons nourrisseurs. Ça fait que les abeilles passent par l'intérieur, ça fait un petit chemin. Et si jamais je dois les nourrir, je peux mettre de la nourriture tout près de ces entrées. Et régler la hauteur des entrées également si je ne souhaite pas que les abeilles puissent passer. Donc celui-ci on va le nettoyer et puis on va mettre ceci directement par-dessus, c'est très bien. Et voilà.